Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des verres photochromiques. Qu'est-ce que sont les verres photochromiques? Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des verres très sensibles à la lumière et ils s'adaptent en fonction du soleil et de la pénombre. Ce qui veut dire que ces verres s'assombrissent quand il y a beaucoup de soleil et s'éclaircissent quand il n'y en a plus. Comment cela est-il possible? Les verres photochromiques d'Helios sont des verres en polycarbonate qui ont des molécules organiques photochromiques. Ces molécules réagissent à l'intensité des rayons UV, échangent de forme et absorbent un pourcentage de lumière et c'est ce phénomène qui fait qu'ils foncent. En l'absence des rayons UV, les molécules ont l'effet inverse et donc s'éclaircissent. Pourquoi opter pour des verres photochromiques? Nos verres photochromiques sont idéales pour les sportifs. Ils sont à 100% anti-UV et polarisés et montrent nos deux modèles, la Backspin et la Vento. Et voici une Vento montée avec des verres photochromiques. Nous avons trois couleurs de verres différents à vous proposer. Donc vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à votre activité. Il apporte un réel confort et vos yeux se fatiguent moins. Si vous faites du cyclisme comme moi ou du volley et d'autres sports qui nécessitent que vos verres s'adaptent à la lumière extérieure, croyez-moi, ce sont les verres qu'il vous faut sans hésitation. Qu'en est-il de son prix? Pour seulement 2700 roupies, vous avez une Backspin ou une Vento avec des verres polarisés et une paire de verres photochromiques au choix et vous pouvez les interchanger. Et si vous avez déjà votre Backspin ou votre Vento, vous pouvez acheter une paire de verres photochromiques à 500 roupies ou deux paires pour 850 roupies. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, tout est dit. Nous réouvrons le vendredi 23 avril. Donc venez nous rendre visite et optez pour nos verres photochromiques. Vous n'allez pas regretter. Bon, sur ce, moi je vous laisse. J'ai mon entraînement de bicyclette qui m'attend. À bientôt pour une nouvelle chronique.